Une semaine après la rentrée scolaire, les élèves du lycée professionnel Gaston Darboux à Nîmes ont enfin pu effectuer leur rentrée ce matin. En grève depuis le 4 septembre, enseignants et surveillants ont suspendu leur mouvement, mais ils dénoncent toujours le manque de moyens humains dans cet établissement pourtant classé Éclair, école, collège, lycée pour l'innovation. Les grévistes qui estiment donc qu'il manque toujours du personnel éducatif, une délégation doit être reçue à l'inspection de l'académie à Nîmes mercredi.